D'abord, je le dis aux gens pour. Je parle dans l'appareil, carrément. Dans l'écran, je veux dire. Je vous dis, je suis né avec le cordon autour du cou. Trois fois. Et je suis né. C'est ma mère qui m'a dit ça, mais très tard dans ma vie. Et heureusement qu'elle me l'a dit avant de s'en aller ailleurs, hein, parce que je ne l'aurais jamais su. Et il y a un truc que je ne comprenais pas, c'est pourquoi je criais. Quand je criais, dans le rock'n'roll, tu sais. Ouais, non! Je croyais que j'étais puissant. Et en fait, je l'étais, puisque j'essayais inconsciemment de me dégager de cette émotion-là. Et il a fallu attendre longtemps, longtemps. Si, quand je chantais des chansons calmes et tout, la voix était très posée, c'était bien, quoi. Et c'est tout. Tu vois, le traumatisme qui revient, le traumatisme pneu, Michelin. soyons. Ma mère riait en pleurant. Elle pleurait toujours en riant. Bon, moi j'ai chopé ce truc-là aussi. Je veux dire qu'on n'en a rien à foutre, tu vois. Mais j'ai eu toutes les occasions, notamment de naître avec le cordon autour du cou, ombilical, qu'une sage-femme m'a sauvé parce que je devenais bleu. Donc je suis né bleu. Tu vois? Oui. Pas naturel, mais bleu. Et égorgé, quoi. Égorgé par mon propre cordon, celui qui me reliait à ma mère. Comme traumatisme, c'est déjà, ça se pose un peu là. Et quand je suis sorti du ventre de ma mère, c'était le début de la Deuxième Guerre mondiale, en 1940. Et dès que j'ai fait mes premiers pas en dehors de la maison, il y avait les armées allemandes et les commandos de la mort lancés par Hitler sur toute l'Europe. Donc, tu vois, deuxième cas de traumatisme. Troisième, alors il y en a un, je passerai sous silence. C'est l'attaque des pédophiles, mais bon, ce serait trop long, il faudra un bouquin pour expliquer ça, parce que j'étais assez mignon et ils en voulaient à mon cul. Mais même un curé, que j'ai dû remettre à sa place en lui disant que j'allais le dénoncer à mon père. Et puis, par la suite, la guerre d'Algérie, où, grâce à Dieu, je suis allé après mon frère, qui s'est tapé 3 ans d'armée, et moi, 2 ans et 4 mois. Et quand je suis arrivé à... 2 ans et 6 mois, je crois, je sais pas. Et quand je suis arrivé en Algérie, c'était en 62, et c'était le cessez-le-feu. Les accords d'Évian. Évian, j'en bois toujours, dis donc. Tu te rends compte, le rapport? Le traumatisme que je suis obligé de boire de l'Évian, et on n'a pas le droit de faire de la publicité, mais je le dis, pour me remémorer les accords d'Évian qui m'ont permis d'échapper à la continuité de la tuerie, quoi. Moi qui n'étais pas du tout pour l'armée, évidemment, et tout à fait anti-guerre coloniale, quoi. Tout à fait. Et anti-raciste. Hein. Tout à fait. Puis en plus, j'ai été éduqué par des mecs d'extrême droite à un moment donné. Quand j'ai quitté ma famille, c'était des gens qui étaient vraiment d'extrême droite et qui détestaient la gauche, les communistes et les socialistes et puis tout ça, tout ce mouvement. Et moi, j'allais par... Après tout ça, il y a eu un début avec ça. Et je les ai surpris un jour, ils m'avaient emmené dans une 2 chevaux avec des matraques qu'ils avaient pris. Et je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient faire. Et en fait, ils voulaient faire une ratonnade, c'est-à-dire taper sur des Algériens, quoi, qui collaient des affiches. Et moi, enfant, ils m'emmènent à 9 ans et disent « Oh, on ne va pas emmener le gosse ». Et moi, je dis « Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Tu vois. Et quand même curieux, étonné. Et quand j'arrive, ils disent « Tiens, on voit là. » Et puis, ils montrent les mecs qui collaient des affiches, des Algériens, et ils disent « Allez, on y va !» Et ils descendent, et là, je comprends tout de suite, tu vois, qu'ils allaient les taper, quoi. Et j'ai hurlé, tu vois, je suis descendu de la voiture, j'ai dit « Arrêtez, arrêtez !»
toi en hurlant. Et puis ils ont arrêté à cause de ça. Parce que les Algériens, ça les a prévenus, ils sont barrés. Et puis les autres, ils se sont sentis tout cons, quoi. Et j'étais en larmes. Et je disais, qu'est-ce que vous faites, tu vois. Et là, je me suis dit, là, il y a un gros problème, quoi. Ces mecs-là sont des assassins. Et c'est la première vision que j'ai eue de ça. Après, j'ai dit, oh là là. Et ça m'a traumatisé aussi, tu vois. Y compris aussi un professeur, directeur d'école, qui traitait mal un élève russe, blanc, parce qu'il embrassait sa mère sur la bouche quand il a quitté l'école. Et c'est une école catholique, et il le traitait devant tous les autres de communistes, alors qu'ils avaient fui, c'est des Russes blancs, tu vois. Et lui, il était supérieurement intelligent, cet enfant. Et j'étais son seul ami, quoi. Et à un moment donné, j'ai dû me battre avec les autres en leur disant « Vous fermez votre gueule, quoi. » Moi, je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous fait? C'est pas parce que l'autre le traite de sale coco, tu vois. Sale, il aurait dit sale juif, ça aurait été pareil, quoi. C'est terrifiant. On le voit, ça, quand on est enfant. Après, mon fils Ken, qui était un peu yellow, jaune, parce que vietnamien, mi-alsacien, belge. Encore heureux qu'il ne m'ait pas attaqué sur ma belgitude, tu vois. Déjà, j'ai dû m'avaler plein de blagues. On disait, oui, il est lourd, il est belge. En plus, alsacien, tu sais, c'était... Traité de sale boche aussi, devant la maison. Ma grand-mère qui dit, je suis plus française que vous. Et dès que j'étais petit, j'étais confronté à ça, forcément. Puisque guerre mondiale... puisque salboche les Alsaciens, puisque cordon autour du cou, puisque la guerre d'Algérie, puisque enfin la guerre d'Algérie qui a démarré en... Ça m'a toujours aidé. Pourquoi j'ai chanté depuis tout petit? Ma grand-mère chantait, mon père jouait du piano, quoi qu'il arrive. Jouait le soir, et ma grand-mère chantait, moi je chantais avec elle. Et chaque fois que je chantais, ça a été merveilleux, quoi. Ça a été une libération intérieure, tu vois. Dès que j'avais un coup de stress, peur, tu vois. En fait, c'est la peur qui rend les enfants... c'est quand il y a eu le bombardement et que mes parents sont montés en disant « vite !» et ils nous ont enroulés, Polo et moi, dans les couvertures et ils nous ont descendus en vitesse et on a entendu une sirène d'alerte, tu vois, parce que c'était les alliés qui bombardaient le triage de verre des chargements de trains pleins de munitions des Allemands. Et là aussi, ça a été... parce que après, jusqu'à l'âge de 11 ans, et ça, c'était à l'âge de 5 ans, tu vois. Et jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai pissé au lit chaque fois qu'un avion à moteur passait au-dessus de la maison, le soir, quoi, la nuit. J'ai toujours pissé au lit, quoi, et je me disais, c'est une honte, jusqu'à 6 ans, 11 ans, 12 ans. Et peur, tu vois, peur, l'angoisse. Alors t'imagines maintenant tous les enfants, tous ces enfants qui sont dans les pays, là, qu'on attaque et que... Enfin, tenu par des tyrans, attaqué par d'autres gens, au milieu des feux, enfin des civils, quoi. Comme on était, nous, des civils, en emportant leurs deux enfants. Et puis je me disais à chaque fois, mais c'est d'une atrocité, quoi. C'est dégueulasse. Comment ça se fait que ça existe? Et quand t'es tout petit, tu te prends en pleine gueule, quoi. Et puis après aussi, c'est pour ça que je suis vraiment, mais complètement contre la guerre. C'est parce que ça fait un mal fou et ça n'est jamais, ça ne se guérit jamais. Parce qu'après, les gens gardent de la rancœur, de la rancune, et puis ils le transmettent à leurs enfants. C'est pour ça que j'avais écrit La Croisade des enfants. Tu vois, en disant, qui apprend la guerre à ses enfants? Tu vois, pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans garder au fond de son cœur le mystère de la vie,
Dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. C'était toujours, et toutes les paroles que j'ai écrites dans toutes les chansons, y compris les chansons d'humour, y compris les grandes déconnantes comme l'attentat à la pudeur ou des trucs. C'est parce que l'humour et l'amour sont les défenses des gens qui n'ont pas d'armes autre que ça. Et c'est énorme. Quand il y a Coluche qui faisait plier la France en deux, comme il disait, en quatre. Et toujours quand il a visé, c'est pour ça qu'il n'y a aucun humoriste actuellement qui peut vraiment se mesurer, parce que c'est un enfant du peuple qui a parlé à tout le monde, que tout le monde comprenait, et qui a parlé pour faire rire de la prétention de ceux qui gouvernent et de leur façon de défendre leur théorie. Il n'y a rien qui soit pire que la guerre, quoi. Ça déclenche des choses énormes. Hier, j'écoutais à la radio encore une émission sur une amie de Simone Veil qui était en camp avec elle, tu vois. Et il y avait une émission sur France Inter qui parlait des conditions des camps, quoi. Moi, après, j'ai découvert tout ça. J'ai ouvert des livres, tu vois. Il n'y avait pas de livres à la maison. Après, des amis à moi, comme Pierre Goupil et Henri Crolla. Et puis Irène, la fameuse pour qui j'ai écrit les lettres d'amour d'un soldat de 20 ans, m'ont pris en main quand j'avais 18, 19 ans, où je buvais parfois comme un trou parce que, tu vois, j'avais tellement peur de plein de choses que je me saoulais pour m'échapper, quoi. Mais ça, c'était pas bien non plus parce que ça me rendait malheureux. Et ils m'ont tiré de là en m'expliquant plein de choses, tu vois. Et ce sont des gens, oui, de gauche, qui m'ont appris ça. Parce que les gens de droite que j'ai commencé par fréquenter, sans le savoir, qu'ils étaient des fachos, et m'apprenaient simplement la valeur de la guerre, la valeur du plus fort, tu sais, les gens qui prennent des mitraillettes pour leur sexe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est des tueurs, quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, très naturellement, sans jamais avoir fait partie d'un parti avec une carte, tu vois, je me suis dressé, même seul, parce que j'ai fait mon éducation avec des films comme... avec des bouquins qu'on m'a envoyés, que Irène m'avait donné, que Pierre Goupil aussi me faisait lire, que Henri Crolla me conseillait, qui m'a pris pour la musique, qui m'a donné confiance en moi, que je jouais de la guitare, tu vois. Il m'a appris. Et tous ces gens qui m'ont aidé à sortir, parce que sans me donner de leçons, jamais, tu vois, sans me donner de leçons de morale et sans vouloir m'embrigader. Et ça, je l'ai gardé et je le garderai toute ma vie. Jamais j'ai cherché à embrigader mes enfants ou les enfants des autres, à leur dire, il faut que tu votes à gauche ou à droite. J'aurais dit, écoute, tu fais comme tu le sens, mais tu sens selon ton cœur. Et si tu regardes ceux que tu aimes, c'est forcément pas des pourris et c'est pas des gens qui vont t'entraîner sur un mauvais chemin, quoi. Voilà, c'est comme ça que je m'en suis sorti. Enfin, je m'en sors.